Bonjour, chers amis, comment vous comment nous comment sentez-vous? Et nous saluons très très fort. Je veux dire, nous allons montrer comment vous êtes capable de faire processus pour visa étudiant. C'est très facile. Nous allons faire un peu de temps, nous allons expliquer ça dans quelques minutes, comment vous êtes capable de faire. Ne pas oublier, l'ambassade a été publiée, je viens de dire là, c'est avec l'ambassade de la marché, c'est de même la suivre. On lit ça pour avant de commencer, pour nous montrer comment vous êtes capable de faire processus pour visa étudiant. C'est très facile, lit pas 10 ans. D'accord? Pour c'est ça très facile. D'accord? On va regarder pour nous. Côté que vous parlez, prolongation de la période de validité des visas d'aide humanitaire et des regroupements familiaux. L'ambassade. L'ambassade du Brésil à Port-au-Prince informe que les visas temporaires Vitem 3 pour l'aide humanitaire délivrée après le 20 décembre 2020 seront valables pendant 180 jours. Les visas temporaires Vitem 11 pour les réunions familiales délivrées à partir du 28 décembre 2020 auront une durée d'1 an. D'accord? Ça, c'est qu'ils ont détaillé. On a deux semaines pour nous ça qui dit. Je traduis là en créole pour nous comprendre. Je dis avis sélectionné assistant administratif. En deux semaines plus bas. En deux semaines plus bas, la plus essentielle là pour nous comprendre. Ça a détaillé au bail. Et nous pouvons avoir ça. Mais nous pouvons parler de mes côtés qui ont dit Jean Bell là. Je dis que, bon, on nous parle en deux semaines plus bas. Nous pouvons les rester. Pour nous aller côté nous voulons aller. D'accord, ça on a dit. Nous voulons pour nous voulons rester. Pour nous aller côté que nous voulons aller. D'accord, ça pour faire, ça tout ça, c'est détail. Mais ça qui est essentiel. Visa humanitaire et pour réunion familiale. 28 octobre 2021, là. Je t'ai publié ça. Pour démarrer la demande de visa humanitaire et pour réunion familiale, il est nécessaire de remplir les formules FPV. On descend en bas. Regardez ça dit là. Je m'a toujours montré. Ça dit là, voilà. Formulaire FPV doit être présenté aujourd'hui du rendez-vous au BIVAC. Les qui vous prenez dans le rendez-vous, formulaire vous présenter. Regardez ça dit en bas encore. Regardez ça dit en bas encore. En bas là, voilà. Regardez pour nous. Sans le formulaire rempli, il n'y a aucun moyen de traiter les demandes de visa. Bagay m'a dit encore. Sans formulaire, il n'y a aucun moyen de traiter les demandes. Au monde qui va appeler ça, c'est libre. Ça, c'est l'autre détail qui vous bail. D'accord? Ça sont lien côté pour mon capable prendre rendez-vous. D'accord? À partir du 3 novembre, dans le lien, ça, vous capable cliquer pour prendre rendez-vous sur le laptop. Et vous êtes capable de faire un bagage sur le. D'accord, ça même. Et je ne vais pas montrer sur le coup, non? Mais, chaque fois que je fais vidéo, je vais toujours montrer ça. Je vous dis que le système, regardez pour nous, son système qui travaille. Il fait mettre en marche pour haïtien capable faciliter rendez-vous à gratis. Le système ne rend pas immédiatement les dates disponibles pour les rendez-vous. Le système n'a pas bail kounya la rapide et il pas bail date disponible pour pas livrer date disponible pour rendez-vous. Il est nécessaire pour voir document ça qui me fait pour quelqu'un et pour chaque service visa travail tout ça au besoin de vous document pour après évaluation. Après, vous venez évaluer, bien sûr, et la validation de la documentation. Vous venez vérifier, bien sûr, évaluer, et puis qui les pièces ont expiré. Vous regardez pour qui les a expiré. L'ambassade là, et l'ambassade a fini vérifier que les pièces ont expiré, et évaluer. Et puis, il dit que vous pouvez programmer votre rendez-vous. Si vous pouvez programmer rendez-vous, c'est vous-même qui avez fait ça pour. D'accord, il dit que le jour du rendez-vous, il est nécessaire de présenter la version originale de tous les documents envoyés par le système. Le voilà rendez-vous à tous les documents envoyés, il faut présenter original dans le système. C'est ça qui vous demande. D'accord, amis? C'est très important. Quand y a là, si nous cliquons sur ça, quand il y a là, voilà ça qui est prêt. Sur ça, d'accord, pas oublier, bon, voilà rapide. Voilà, sur ça, voilà ça qui est prêt. Voilà rapide, pas oublier, c'est sur pour visa et étudiant, nous parlons de bail, on tout le monde, 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 on tout le mon
Rapide, rapide. Là, on a spécialement système de consulaire. Ça, c'est une demande qui est rapide. Ça, c'est une demande qui est rapide, et puis rapide que l'autre là. Ça passe par consulat direct, direct. D'accord? Moi-même, après, je vais laisser passer. Après, je vais faire ma carte. Vous allez cliquer là. Et on va entrer avec email. Cliquez là pour me passer. Là, je vais cliquer sur celui-là. Ça, c'est système de consulat direct. Voilà. Il m'a dit email et puis mot de passe. Je vais mettre les. Voilà, je vais tout rentrer là. Ouais. Et par contre, c'est entrer avec compte Outlook. Vous allez tout rentrer là. Et en aller, entrer avec compte. Mon compte Outlook. Et tout rentrer avec compte Outlook. Et, voilà. Compte Outlook là. Tout rentrer avec. Bon, juste. Moi, juste pas payer. Pas rentrer sur les. Je ne peux pas rentrer sur lui pour des raisons personnelles. D'accord, je ne peux pas rentrer sur lui pour des raisons personnelles. On nous fait back pour nous aller côté ça nous démontre. D'accord? Donc, pour nous voir ça qui est nouvelé, essayer. On va essayer de ça contingent. Ouais, c'est ça mon côté. Puis bon, d'accord là. Sinon, on rentre sur lui, FAO. La banne passée, elle va me passer. Voilà, il m'a dit si je voulais faire une demande pour le monde, et rapide. Je demande ça plus rapide. Si vous voulez passer Kounia là, pas de mode et pour visa étudiant pour moun là, qui est plus rapide. Mais comment vous faites? L'autre là, ça plus rapide, ça pas gagné de temps du tout. D'accord? Vous passez par conseil là. En aller, on a supprimé ça. On va faire l'autre demande. Par exemple, on va faire une nouvelle demande. Passer pour visa étudiant qui nous parle. D'accord? Là, on a descendu, on a fait visa étudiant, on a fait les. Est-ce que nous presque tombé sur là? Pourquoi c'est les mêmes ça? Pourquoi c'est ça? Il est mis au 4 là. Pourquoi c'est ça? Bitem 4. C'est dit pour étudiant. D'accord? On va cliquer sur lui. Ça est plus rapide. Ça a gagné du temps là-dedans. Mais ça, quand même, on va passer dans et au IEM. Si on combat ça, on va aller direct. Rapide, rapide. Je dis que mes détails ou pas. Est-ce qu'on essaie de traduire par là pour vous? Pour qu'on puisse comprendre le français. D'accord? On essaie de traduire par là. Pour capir au bout. D'accord? Okay. Mais oui, il peut être traduit en français. D'accord? On a les amis, nous voyons le mot rapide. Il peut être traduit en français. On a les combien? Et nous voyons ici moto et service visa temporaire vitem 4. Il dit que veillez attentivement les informations suivantes avant de soumettre votre demande de visa. Avant de faire demande de visa, il faut que l'information. D'accord, amis? Il dit que l'octroi d'un visa est un acte et du pouvoir discrétionnaire de l'État souverain qui peut être accordé refusé pour éduquer visa l'ission à et côté pouvoir et souverain comme du pouvoir cap dirige là par rapport à l'État Brésil et il est capable d'accorder le bien refusé. Je dis que l'ambassade là n'est pas responsable des dépenses et lorsque demande pour visa si visa refusé, l'ambassade n'est pas responsable de ça. D'accord? Je dis que leur fait demandant. Lors de la demande de votre demande de visa, je dis que l'original paiement des deux là et avec visa type de visa et justement pour studier pour IA ou de venir avec spécialement paiement pour lui pour well. D'accord, demande plusieurs documents. Je dis que si visa a refusé, je ne vais pas pour remettre le compte. D'accord, en cas de qui ça a demandé pour visa étudiant qui est très important. Voilà, on passe sur l'autre côté qui est plus rapide, on va passer par l'autre côté. Et l'autre côté, à qui on tient, on tient. Le visa temporaire vitem 4 peut être accordé aux étrangers souhaitant entrer au Brésil à titre temporaire offensif. Aux étrangers qui viennent dans le pays en tant qu'élèves, le monde qui veut venir en tant qu'élève de niveau élémentaire ou secondaire, c'est le monde qui veut venir étudier niveau le bas, c'est tant qu'élémentaire et dans la classe secondaire ou bientôt dans la classe et bon, dans la classe primaire, tout ça. D'accord? Et pour lui, ça qui est type de visa ça il va être détaillé côté qui est domestique au supérieur tout ça d'accord il va être détaillé pour le moment c'est ça tout en l'air aussi détaillé en dessous on va pour nous camoufler voilà il dit que mais quand c'est des copes il met copes au moins des pour mon alpha pour les visa étudiants c'est $100 américains pour déposer sous compte et ambassade du Brésil là c'est mes numéros colons c'est 13 0D 10 552. Dans la banque, il s'agit de $100 américains pour moi qui voulais faire des demandes visa
étudiant, d'accord? C'est tout question. Même pas plus tôt parce que il y a un pile. Mais là, allez, ça qui est essentiel là, je me demande quelques détails. Mais on a les côtés qui sont essentiels là, côté de Walmando pour capable et faire ça qui est important, d'accord? Avant de faire ça qui est important, c'est côté de nous là, tout ça aussi détail. D'accord, ça, mais on finit tout ça pour lui avant. Voilà, on finit tout, on va le commencer pour nous. On va le commencer demain. Faut commencer le service. On va le commencer le service. On va le qui ça fait qu'on a dit, on va le demander, on va faire tout pour le ballon. Moi, je suis monté. Mais si on va gagner contre là, on n'a pas qu'à passer la donne. À vos amis, on n'a pas qu'à passer la donne. Moi-même, moi, passer la donne. À l'époque, on compte la donne. Quand on compte, on passe. D'accord? On monte qui t'a voulu me faire pour lui. On est capable de la donne et pour me capable de faire pour lui. D'accord, amis? Je vais vous passer, ça passe, c'est parce que je veux dire qui joue. Je vais passer qu'on y a. Là, je dis, si c'est pour moi, je m'appelle, si ou bien si c'est pour compte, ça m'a dit pour m'appeler pour l'autre monde. Mais les noms, mon nom, je vais dire, et André, je vais par exemple pour André. Pour André, André Joseph. Par exemple, pour André Joseph. D'accord, pour André Joseph. Et puis, et mal. Je m'a fait des mes étudiants pour André Joseph. Je vais là. Mais ça va demander. Je vais là. Je vais demander plusieurs bagailles. Tant que je vais aller me passer encore. Je vais pourquoi je vais passer, regarder moi ça fait ça. Ah oui, les mouvements là, mais ça va m'en dire. Non, vous mettez là, dans la première, nommé de l'occidenti. Je m'en dis là, date de naissance, vous mettez là, état civil aussi, marié ou pas, vous mettez là, sexe ou un simpson, vous bien gaz, vous mettez là, local de nascimento, côté me fait là, c'est Haïti, pays à Haïti, stade ou à le département de l'Ouest ou bien, par contre, c'est la diaspora, c'est commun. Nationalité ou abdou haïtienne, non maman, on va nos maman là, et puis, on m'a dit qu'il cause maman fait, faut pas aller, localement on fait, faut pas aller, c'est Haïti, faut pas aller, commune, faut pas aller, on m'a dit date de nacimiento, date de naissance de maman, puis bah, on m'a dit que, nom de tout pays, non pas papa ou, local de nacimiento ne peut pas vous faire, là on m'a dit que, date de nacimiento, date de naissance de papa ou, on m'a dit que, dado de représentante légal. On dit dados de représentante légal. Date de représentant légal, on met les local de nascimento, on met les tout ça, on met les et fini là, on va et vous le finir, tout ça va aller, on va le prendre. Étape suivante, on prend étape suivante, on prend étape suivante. Je ne vais pas mettre une non. Étape suivante, amis, je prends le mandat pour effectivement tout petit qui très court. Bah, les vidéos à tout le long, amis. Moi, à l'indice, mon tour, comment pour qu'on va faire les passer par consul là. Ça a pire rapide. Dans 10 jours, avec une visa, ça étudiant. Pour la petite visa, c'est plus facile tout, mais il ne peut pas prendre un peu de temps que ça. Ça a mis consul là direct. On dit, non, quoi, le système de consul. Et consul là direct, quand la visa est là, on va adresser. Il ne peut pas perdre du temps, 10 jours. Rapide, rendez-vous, ça a plus facile. Même. Rapide, rapide. D'accord, ça même. Nous allons, mais nous disons, faire cette vidéo, on va aller pour trop long. Et pour le long, je fais cette étape tout couture, je vais sûrement continuer pour faire la rose.